Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour cette soirée de cérémonie de vœux 2023 ici au Palais du Pharo, lieu historique et plutôt assez magnifique pour une telle cérémonie. Bonsoir Madame la Maire. Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Je crois que vous êtes très attendue ce soir. Alors, si effectivement ce rendez-vous est une tradition, celle des vœux, il n'en est pas moins qu'il comporte également un programme ce soir. Puisqu'en effet, Madame la Maire, Sophie Camard, donc maire du 1er du 7e arrondissement de Marseille, vous avez souhaité ce soir partager la scène. Et donc, nous allons en effet avoir un programme. Alors, en début d'année, souvent, on se projette vers le futur, mais aussi, c'est l'occasion de pouvoir regarder un petit peu derrière soi et donc de faire une rétrospective sur 2022 que vous allez avoir le plaisir de découvrir en images. Et ensuite, eh bien, puisque nous sommes à Marseille et qu'il y a des phares et qu'on aime mettre la lumière, eh bien, nous allons avoir trois phares, si l'on peut dire. Et c'est l'accueil de trois associations parmi des centaines que comporte bien évidemment Marseille. Mais en tout cas, ce sera trois ce soir qui seront mises en lumière et dont vous pourrez découvrir les représentants. Il y aura encore quelques images. Et puis, nous passerons bien sûr à la tradition et cette fois-ci au discours. Donc, Madame le maire, vous aurez l'occasion de faire votre discours de cérémonie des vœux et à qui vous donnerez ensuite la parole, à Monsieur le maire Benoît Payan, avant de clore et puis de finir, comme il se doit sur ce genre de cérémonie, autour d'un cocktail. Alors peut-être, eh bien, sans plus attendre, regardons les réalisations 2022. C'est en images et c'est maintenant. Ben, malheureusement, des personnes à la rue, ça, il y en a dans les deux arrondissements de mon secteur. Voilà. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette opération, on sera un peu mieux armés pour répondre à ces situations. Alors, la nuit de la solidarité, le but est de connaître mieux, le mieux possible, la situation des personnes à la rue. Combien sont-ils? Quels sont leurs besoins? Quelles sont les catégories de gens qui sont à la rue? Pour pouvoir, à partir de là, construire des réponses efficaces à leurs besoins. Eh bien, ce marché de Saint-Victor, qui je crois est une réussite aujourd'hui, une fois par mois, et qui effectivement permet eh bien, à de nombreux habitants de passer ce type de moment que nous avons aujourd'hui. Bonjour, nous inaugurons aujourd'hui le nouveau petit jardin du commandant Lamy, qui est donc transféré à la mairie de secteur. Cette inauguration et cette rénovation du jardin fait la troisième étape de l'embellissement du quartier, puisque nous avons dans un premier temps réouvert le jardin Berthier-Albrecht, nous l'avons remis en propreté, nous mettons une programmation culturelle. Dans un deuxième temps, nous y avons mis ce marché de producteurs avec le collectif Orchamps une fois par mois qui a bien trouvé son public. Et là, nous continuons du coup à embellir le quartier avec ce jardin Lamy qui a donc été réparé en quelque sorte et puis qui sera un projet sobre dans une philosophie écologique avec une bonne maîtrise de l'eau et un jardin méditerranéen. Bon, merci à tous, merci d'être ici. Bon, c'est une inauguration parce qu'on voulait bien faire les choses, c'est surtout un moment de rencontre, hein, voilà, pour vous voir et parler avec vous, puisque du coup c'est aussi un petit hommage à la méthode qui a été choisie, qui était une méthode participative, de voir avec vous, les assistantes maternelles, les habitants, comment on pouvait rénover cet espace de jeu pour enfants. Philippe Kahn, adjoint au Parc et Jardin, qui a piloté cette concertation avec vous et à qui je vais donner la parole. Merci à vous. Merci Madame la Maire, merci à tous et à toutes d'être venus. En fait, moi, ce jardin me tient particulièrement à cœur parce que bon, j'habite au-dessus, moi, j'habite le quartier Saint-Martin. Donc moi, avec mes enfants, il y a
ça ne nous rajeunit pas. Hein. Il y a plus de 20 ans, ben, je descendais tous les jours avec mes enfants dans ce petit jardin. Donc je suis ravi de pouvoir participer à faire en sorte qu'il s'améliore. Donc effectivement, quand on est arrivé, il y a plus de 2 ans maintenant, on a voulu que tous les parcs et jardins, tous les espaces publics soient ouverts au public. Donc ça a été fait. On a donné une priorité un peu aux urgences. C'est pour ça qu'il y a une petite porte là-bas qui a été avec un escalier qui est très à pic. Donc à la demande des parents, à la demande d'un peu tout le monde, on a mis le parc en sécurité pour que les enfants puissent jouer dans ce parc et en toute sécurité. Aujourd'hui, on est le 26 avril 2022 et ça y est, enfin le chantier de la nouvelle école des abeilles a démarré. Il est même bien avancé puisque l'ancien bâtiment a été démoli. Donc aujourd'hui, nous faisons la visite de chantier avec monsieur le maire. Et puis, on réexplique tous les enjeux de cette école qui est de permettre d'accueillir déjà les élèves de l'école actuelle des abeilles dans de bonnes conditions, comme c'était promis. On a prévu de réhabiliter l'école actuelle. Donc je pense que c'est à la fois une belle école. Pour nous, c'est une école qui doit rester et qui va rester d'abord. Monsieur Morales a tenu, et nous aussi, à ce que ce soit une école qui s'inscrive dans le temps. Que ce soit un témoignage, c'est pas un préfabriqué, c'est pas quelque chose qui va durer 10 ans. On veut marquer les choses. Et encore une fois, moi, je souhaite que cette école, dans 50 ans, elle serve. C'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. Vous savez, quand on est maire, on aime bien inaugurer des écoles. Et après, j'ai d'autres projets prévus aussi à Belzins et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le premier. Le plan école, la rénovation du bâti scolaire, mais aussi le recrutement et le développement de nos activités périscolaires, extrascolaires, pédagogiques. Et la ville de Marseille sera au soutien des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs et directrices d'école et de son personnel. Des manifestations comme celle-ci, manifestations offertes à tous les Marseillais, bien sûr organisées par la mairie du 17 qui le remercie, mais pour tous les Marseillais et pour tous les gens qui passent à Marseille. Marseille est une ville de terre et de mer. Tout ce qui interroge la terre et la mer et ce rapport est particulièrement bienvenu sur cette artère, sur cette rue qui est la plus célèbre de Marseille, qui est aussi la plus ancienne et celle qui est un trait d'union entre la ville et la mer, comme bleu et comme rouge la mer veulent le faire. Bonjour, c'est la 4e édition de Au bout la mer, un événement de la mairie des 1er 7e arrondissement qui commence à bien prendre sa place avec des invités fidèles maintenant, le public au rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est Au bout la mer musique avec plein de danse et de musique dans la rue et puis toujours les jeux pour enfants, les spectacles au musée d'histoire. Permettez-nous donc d'être heureux et fiers de proposer des spectacles de qualité, gratuits, qui s'adressent à tous. Certains d'entre vous, vous êtes déjà un public fidèle, et puis il y a aussi le public imprévu qui passe à l'improviste, et c'est ce qui fait la magie de ces moments. Ici à Marseille, le contact entre le public et les artistes est toujours curieux et chaleureux. Je vous invite, avec la maire de secteur, Madame Sophie Camard, à participer aux grandes festivités de la vie associative dimanche 11 septembre sous l'ombrière à l'hôtel de ville pour rencontrer les associations de notre secteur, mais aussi l'ensemble des associations de Marseille.
beaucoup des associations qu'on trouve dans le 1-7, elles sont présentes dans d'autres mairies de secteur. Et ça, c'est très bien. Donc, ça valorise aussi leurs activités qui ne se fait pas que dans le premier et septième arrondissement. Et en tout cas, ça leur permet, je pense, d'avoir beaucoup plus de publics différents. Voilà. Et puis d'échanger avec d'autres associations. Aujourd'hui se passe un cours intergénérationnel, ça s'appelle Courir Ensemble, organisé par la mairie de 1-7. Et c'est le premier événement sportif qui est vraiment de grande ampleur qu'on organise à la mairie. Bienvenue, monsieur le maire. Nous sommes ravis de vous accueillir, monsieur le maire. Merci de nous avoir rejoints. Eh bien, Sophie Camard, je crois que vous avez, au travers de ces images, d'abord, beau challenge, parce que résumer une année en 11 minutes, je pense que ça n'a pas dû être très facile. On a fait beaucoup de coupes. Voilà. Et puis, on a vu votre présence, des contacts, de la proximité. Je crois que c'est important pour vous. Et oui, une mairie de secteur, on dit toujours que c'est un échelon de proximité. Donc là, c'est bien illustré, ça donne un aperçu, hein, ça ne résume pas tout. On va avoir des interventions là, tout à l'heure sur scène et puis les discours pour avoir une vision un peu plus globale. Mais c'est vrai que quand on est maire de secteur, et moi ça me plaît parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine et qui aime bien que ça bouge, donc je suis servie, voilà, avec ce secteur du centre-ville, du 1er et 7e. Et le Mikado géant, c'est difficile ? Le Mikado géant, c'était compliqué. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, ce soir, vous avez souhaité mettre en lumière trois associations. Là encore, parmi des centaines, je suppose que ça n'a pas été simple. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire un mot sur les raisons qui vous ont mené à les choisir ? Alors, effectivement, il y a des centaines d'associations qui ont leur siège dans le centre-ville de Marseille. Les équipements de la mairie de secteur, elles conventionnent à l'année avec une centaine d'associations. Vous avez eu quelques aperçus d'activités. Bah, tout simplement, là, pour cette première cérémonie des vœux,
J'ai fait un choix tout simplement d'avoir une certaine diversité, représentativité des thématiques du secteur, des moments forts et de l'actualité. Donc on retrouvera la thématique du littoral, la thématique de Noailles et puis les réfugiés ukrainiens parce qu'on y a participé et que Marseille, c'est le monde. Alors, belle introduction, effectivement. Et en effet, alors vous allez très vite découvrir de quelle association probablement nous parlons. Mais nous allons partir pour l'aventure, celle d'un projet ambitieux, tourné vers l'avenir, fédérateur et inspirant, à la fois sociétal, environnemental, culturel et économique. Et c'est donc effectivement l'association Marseille Capitale de la Mer dont je suis en train de parler. Alors, pourquoi ce choix ? Alors, Marseille Capitale de la Mer est une association que nous hébergeons à la Maison Créative d'Andoume. C'est une association avec laquelle on a un joli partenariat à l'occasion de Au bout la mer, dont vous avez vu les images, sont des manifestations culturelles sur le Bac Annebière. Et Au bout la mer organise des balades en mer gratuites. Donc c'est un geste de solidarité très très fort. Donc on travaille avec eux sur ce projet-là. Et puis tout simplement, alors le littoral, on est un secteur de bord de mer. C'est une chance, c'est beaucoup d'attention, surtout l'été. Et je crois que l'accès à la mer pour tous, ça nous tient à cœur. Et donc cette association, elle s'inscrit dans cette démarche. Voilà, alors je parlais d'allumer des phares tout à l'heure. Eh bien, nous allons allumer le premier en accueillant sous vos applaudissements les cofondateurs donc, de Marseille Capitale de la Mer. Et je vais demander à Marie-Dominique Champlois, qui en est la directrice, et à Patrick Francello, sous vos applaudissements, qui en est le président, de bien vouloir nous rejoindre. Merci. Bonsoir, eh bien, nous allons vous laisser effectivement la place pour nous présenter cette association. Et puis, je vous propose, Madame la Maire, nous allons prendre place et on vous écoute avec attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de votre présence, Monsieur le Maire. Donc, nous allons vous présenter Marseille Capitale de la Mer, qui est une association très jeune, puisque nous l'avons créée en juillet 2019, donc il n'y a pas très longtemps. C'est une association d'intérêt général. Là, vous avez deux des cofondateurs, nous sommes six en tout. Donc pourquoi cette création ? Parce que nous sommes tous les six des amoureux, bien entendu, de la mer, mais aussi beaucoup des amoureux de Marseille. Et on trouvait que Marseille était un peu déconnectée de la mer, qu'il manquait quelque chose, que quand on parlait de villes maritimes, on entendait beaucoup parler de villes bretonnes, de Sète, de Toulon, mais Marseille n'était plus reconnue comme une ville maritime et qu'il fallait une reconnexion. Donc évidemment, faire des actions vers la mer, on est comme tout le monde, on a dû rêver petit de grands aquariums, de musées de la mer, mais nous on a choisi l'humain, c'est-à-dire miser sur une richesse marseillaise qui est sa population, et on a voulu reconnecter en priorité les Marseillaises et les Marseillais à la mer. Des gens qui sont proches géographiquement de la mer, mais très éloignés socialement. Donc on a décidé de créer cette association et donc avec des actions concrètes que nous allons vous résumer. Bonsoir, merci beaucoup de nous permettre de nous exprimer. Donc la première action est tournée vers la culture. En fait, nous on pense que la mer est un levier pour promouvoir le sport, l'emploi, la culture. La mer, ressource urbaine pour plus de sport, plus d'emploi, plus de culture. Plus de culture, donc les rencontres en mer en fait, que nous avons proposées, le concept que nous proposons, bien sûr, c'est d'amener des gens en mer et de leur permettre de prendre ce plaisir-là de la mer. Mais c'est surtout des rencontres entre gens qui ne se connaissent pas. Donc en fait, nous avons des propriétaires de bateaux qui ouvrent leur bateau gratuitement à des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville. Il faut savoir que nous préinscrivons les gens et que nous ciblons au minimum 50% de publics issus des quartiers prioritaires dans toutes les démarches que nous faisons au niveau de ce sujet. Et puis sur les prochaines rencontres en mer que nous allons faire durant l'hiver, nous allons inviter des jeunes du lycée Ampère qui s'inscrivent dans une démarche de bimère. Le bimère, c'est un brevet d'initiation à la mer. Et donc, en fait, ils vont découvrir la mer à travers ces balades en mer, 12 gamins. Et ensuite, on les enverra probablement vers des parcours professionnels, c'est l'objectif. Alors, un de nos premiers projets, c'était de créer des bassins de nage en mer, puisqu'on était parti, évidemment, du constat que, vous savez qu'il y a les chiffres différents, mais entre 40 et 60% des petits Marseillais ne savent pas nager en entrant en sixième. Donc, il y a un vrai risque de noyade, il fallait lutter contre ça. Donc,
Marseille a un problème de piscine, on s'est dit on va utiliser la mer. Donc dès le mois de décembre 2019, il y avait d'ailleurs en présence de l'adjoint à la maire de la ville de Marseille, on a lancé des études et un projet. Donc évidemment, on a été frappé comme tout le monde par la période de Covid où c'était difficile de travailler, de concrétiser les projets. Donc, nous avons quand même décidé d'entrer en action ici dans le N7, donc grâce au Cercle des nageurs de Marseille et au président Lessia, que je salue puisqu'il est présent ici, de nous laisser disponible le bassin olympique pour organiser une opération qu'on a baptisée Un pas vers la mer. Et le premier pas vers la mer, c'est de savoir nager et ensuite de donner le goût de la mer aux enfants. Donc, pour vous résumer ça, on a pris 150 jeunes qui font des stages d'une semaine tout l'été pendant 5 semaines, donc en 2021-2022, et les gamins vont tous les matin apprendre à nager au Cercle des nageurs de Marseille et l'après-midi ils vont prendre goût à la mer en découvrant la biodiversité, en allant à la grotte Cosquer, en découvrant les métiers du port au grand port maritime, en ayant un tas d'actions qui vont leur apprendre à aimer et à respecter la mer in fine. Et le troisième axe, donc ça ferait plus de culture, plus de sport, plus d'emploi. Plus d'emploi, c'est l'aboutissement d'un tiers-lieu. On veut créer un tiers-lieu maritime. Voilà, et donc on fait tout un tas de travaux sur cet espace d'acculturation. L'objectif de ce tiers-lieu, ça va être effectivement de faire vivre la culture maritime à travers des expositions, à travers des rencontres. Et ce qu'on souhaite avant tout, c'est que ce lieu soit ouvert à tous, c'est-à-dire que les gamins, justement, les plus éloignés des opportunités, puissent rencontrer aussi des gens inspirants et qui soient, pourquoi pas, chefs d'entreprise, etc., qui financent les projets. Donc l'idée, c'est vraiment, là encore, la mixité. Ce que j'ai oublié de dire, et j'y repense en voyant Monsieur le maire, c'est que l'opération Un pas vers la mer a reçu le label Impact 2024 qui nous a été remis par Benoît Payan et Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Puisque, donc, évidemment, on était pressé par le temps, parce qu'il y a les Jeux Olympiques en 2024, et nous, ce qu'on souhaitait, c'est que ces Jeux-là servent de levier, soit le début d'une aventure et non pas une fin en soi. Les Jeux, c'est bien, mais ça doit être un tremplin. C'est pour ça que nous avons imaginé, dans la foulée, en 2023, vous savez qu'à Marseille, il y aura la Coupe du monde de rugby, 2024, les Jeux olympiques, et en 2025, en attendant 2030 et les projets de villes décarbonées, avoir une capitale européenne de la mer. Donc nous avons lancé auprès du commissaire à l'environnement de Bruxelles le projet de capitale européenne de la mer. Voilà, qui est axé lui aussi sur quatre points, plus de sport, plus d'emploi, plus de culture, plus d'environnement. Et l'idée, c'est bien entendu d'incarner l'héritage des Jeux, de profiter de l'opportunité des Jeux olympiques pour qu'au lendemain des Jeux, l'héritage, ce soit la capitale européenne de la mer qui l'incarne et permettre des habitudes de travail désenclavées pour donner à Marseille la possibilité de se réapproprier ses cultures maritimes et de la faire vivre dans la durée. Bien sûr, d'en garder le siège, si possible, à terme. Marseille est appelée à rayonner, donc vous avez vu que nous avons des projets très micro. Nous allons dans les quartiers auprès des jeunes, mais aussi ça n'empêche pas d'avoir de la vision. Et aussi, donc, on pense que Marseille peut être une capitale européenne de la mer. Vous savez, notre association s'appelle Marseille capitale de la mer. Souvent, on pense que c'est une affirmation. Non, c'est une ambition. On pense que Marseille mérite d'être une capitale de la mer, que Marseille a tout le potentiel pour être une capitale de la mer. Donc, on fait tout pour que ça soit reconnu comme tel. Donc, c'est simplement une ambition et on a besoin du soutien de tout le monde pour ça. Merci. Voilà. Meilleurs vœux. On a une petite slide pour ça. N'hésitez pas à adhérer à l'association. Merci beaucoup pour votre présentation, Marseille, capitale de la mer. Merci. Alors, nous allons changer, je crois, de registre cette fois-ci. Exactement. Nous allons éclairer avec un autre phare. Et celui-ci éclaire l'art et la culture autour de questions citoyennes dans un principe de solidarité et d'utilité sociale. Alors, en quoi cette association... Alors, ils se préparent, vous allez voir, on va changer de public. En quoi cette association, Madame la maire, a retenu votre attention pour ce soir? Vous aviez envie qu'il soit là avec nous. Oui, on a eu un moment important. C'est pas qu'un moment, c'est un projet très important pour nous tous, pour moi. J'y mets beaucoup d'attention, qui était cette année de lancer des concertations et ce qu'on a appelé la contribution citoyenne sur l'avenir de la rue d'Aubagne. Et quand on a organisé cette contribution, eh bien, on a remarqué qu'il y avait des jeunes qui étaient là, qui s'exprimaient bien, qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Et on s'est dit que c'était je me suis dit que c'était une bonne idée, que c'était un signal d'espoir et d'optimisme de leur donner une petite carte blanche ce soir. Vous êtes prêts, les jeunes?
Alors, on parle bien sûr de l'association Because You Are. Et puis, nous allons demander aux membres de la Web TV Mars World, sous vos applaudissements, parce que c'est impressionnant, de bien vouloir venir nous rejoindre. Bonsoir à tous. Nous sommes membres de la Team Noaï et de l'association socioculturelle Because You Art. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Nous sommes neuf personnes devant vous, mais la Team Noaï, c'est une quinzaine de jeunes collégiens et lycéens du quartier de Noaï. Nous remercions Madame Camard de nous avoir invités à prendre la parole lors de cette cérémonie. Depuis 2016, Because You Are regroupe toutes les générations autour de pratiques artistiques telles que la musique, la vidéo, l'écriture, le dessin et même la cuisine. Notre grande fierté à nous les adolescents, c'est Mars World. Voilà presque 5 ans que nous avons créé notre propre média, cette web TV qui porte ce beau nom. Nous traitons l'actualité marseillaise, mais aussi la vie sportive et culturelle de notre belle ville. Cette web TV est faite par des jeunes, mais s'adresse à tous. Petit et grand, pour la découvrir, c'est simple. Allez sur le site marsworld.fr, vous aurez accès à différentes rubriques avec des chroniques, des reportages, vidéos et des podcasts. Par exemple, nous avons couvert l'actu et les événements marseillais qui nous semblaient incontournables, comme l'Open 13, tournoi de tennis marseillais, ou le Héros Festival, rassemblement au Parc Chano dédié aux héros venus de tout univers. Mars World, c'est aussi une web TV qui s'intéresse à notre histoire à travers des portraits. Lors de la remise du prix citoyen de demain organisée par la ville de Marseille, nous avons eu l'honneur de rencontrer un véritable héros en chair et en os, le résistant Marcel Tomaso. Malgré ses 100 ans, il nous a semblé très jeune et a accepté de participer à notre podcast dans les studios de Radio Grenouille. D'autre part, en tant qu'apprenti reporter, nous avions très envie de partager notre expérience avec d'autres collégiens et lycéens. En juin dernier, nous avons eu la joie de participer au Festival Expresso, un festival dédié aux jeunes journalistes qui se déroulait à Paris. Notre web TV Mars World, c'est aussi un engagement citoyen que nous avons expérimenté l'année dernière dans notre quartier. Lors de la concertation lancée par la mairie du 1-7, on appuie avec les associations sur le devenir du haut de la rue d'Aubagne. Nous avons notamment réalisé un film sur le premier forum ouvert dont vous allez tout de suite découvrir. مساهمة المواطنين في مستقبل منطقة نواي. مساعدة وكيوتوانية وهي موضوع ينواي هي موضوع هنريني يا هندية يا أوبان بعدهم باوهو وهي أروي. Quel devenir pour le haut de la rue d'Aubagne et le lieu des effondrements ? Une question posée en français, en arabe et en comorien par Sophie Camar, la maire du 1er et 7e arrondissement de Marseille, et ses concitoyens lors de ce forum ouvert. Il faut travailler avec vous pour voir quel quartier on veut pour ce haut de la rue d'Aubagne et des alentours. C'est vraiment un moment important de remonter de votre parole pour nous aider à la décision sur ce quartier. Nous étions ravis de participer à cette prise de parole collective et nous n'avons pas manqué de donner notre avis. Car quel que soit notre âge, notre histoire, nous sommes tous très attachés à notre quartier vivant et cosmopolite. Et nous sommes très attentifs à son devenir. Depuis le drame qui a touché la rue d'Aubagne il y a un peu moins de 5 ans, nous sentons que Noailles change très vite. Nous sommes pour que Noailles évolue, mais nous ne voulons pas être exclus. Dans son engagement citoyen, la Team Noaï souhaite aussi aller plus loin et même traverser les frontières européennes. Par exemple, nous sommes acteurs du projet Génération Europe avec des jeunes allemands et polonais. Ensemble, nous développons une action de protection et d'environnement. En bas de chez nous ou ailleurs en Europe, nous sommes prêts à nous investir et nous mobiliser. C'est pour cela, moi, Izine Rachid, qui suis membre de la Team Noaï
et habitant du 1-7, je rejoins le premier conseiller municipal des jeunes de Marseille. En conclusion, au nom de toute la team Noailles, nous vous souhaitons une très belle année 2023. Et sachez que la porte de notre team est grande ouverte à tous les nouveaux apprentis journalistes qui voudraient se lancer à nos côtés. On peut en effet les applaudir bien fort. Et donc on remercie, dans l'ordre de leur prise de parole, Sérine, Isa, Samira, Feta et Rachid. Merci beaucoup. Bravo les jeunes. Merci effectivement à eux. Et pour terminer donc cette troisième association que nous allons vous présenter, notre troisième phare, si l'on peut dire, en effet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est d'ailleurs plus qu'un jumelage qui relie Marseille à Odessa, dont 2022 a été l'occasion de fêter le 50e anniversaire. On sait que cette année, pour l'Ukraine, c'était une année qu'on pourra difficilement décrire, mais pour autant, vous avez souhaité aussi ce soir, bien évidemment, leur laisser une place, et vous allez voir toute particulière également en musique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, Madame la maire ? Ouais, effectivement, c'est pas parce qu'on s'occupe de proximité qu'on est coupé du monde, bien au contraire. La guerre en Ukraine, elle a eu des répercussions concrètes pour nous. Nous, on est pour accueillir les réfugiés de tous les pays. Mais quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a eu effectivement un afflux de réfugiés. Et ça a concrètement eu pour nous, pour effet, que nous avons mis à disposition nos équipements pour les accueillir. Et particulièrement donc, l'association Marseille-Odessa, qui existait avant la guerre, puisqu'il y a un jumelage entre Marseille et Odessa. Nous avons mis à disposition un local, puisqu'ils ont dû développer leurs activités. Et donc, nous avons eu le plaisir donc, de les accueillir pour qu'ils puissent effectivement trouver ces moments de loisirs pour tous ces nouveaux arrivants. Oui, vous pouvez les applaudir. Et nous accueillons donc sa présidente, Natalia Dobrianska-Meyer, qui est accompagnée de Rostislav Riachun, à qui on va installer d'ailleurs de quoi prendre place pour pouvoir ensuite partager un petit moment avec nous. Peut-être on vous laisse la place et puis, comme précédemment, on vous écoute. Chers messieurs, c'est moi, oui. Chers messieurs le maire, chère madame du maire, madame la maire du premier secteur, chères mesdames et messieurs, nous sommes très heureuses d'être avec vous aujourd'hui et vous présenter notre association Marseille-Odessa. Depuis 2010, notre association soutient la culture ukrainienne à Marseille. On renforce les liens entre Marseille et Odessa, la ville ukrainienne d'Odessa, ville jumelée avec Marseille depuis 50 ans. Nous remercions les Marseillaises et Marseillais pour leur soutien à l'Ukraine dans ces moments très difficiles. Nous remercions la ville de Marseille et la mairie du premier secteur pour le soutien à nos activités. Nous vous remercions de nous avoir prêté un local. Grâce à ce local, nous organisons des activités pour les enfants des réfugiés ukrainiens et les enfants du quartier. Ces activités sont des cours de danse, cours de chant, cours de dessin et cours de musique. Et aujourd'hui, nous vous voulons présenter justement un musicien ukrainien. Il est odessite, monsieur Rostislav Krechun, qui va... Merci. Qui va vous présenter son talent. Il va vous jouer une musique d'Odessa. Je vous souhaite une très bonne année, très bonne et heureuse année et la paix. Merci.
Merci beaucoup. Merci également pour votre présence. Alors, Madame la maire, on va faire un petit peu de place parce qu'effectivement, pour cette dernière partie de cérémonie, et pas des moindres, c'est le moment du traditionnel discours, version 2023. Allez, je crois exactement. Donc, je vais récupérer le micro, puis je vous laisse prendre Merci place jusqu'au Virginie. Pupitre. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci. Monsieur le maire, Madame la consul des États-Unis, Monsieur le consul d'Espagne, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, 2021, 2022, 2023, on y est. C'est déjà notre troisième mois de janvier à votre service, mais notre première cérémonie des vœux enfin rendue possible. Depuis notre élection en 2020, nous vivons avec vous un contexte inédit, les restrictions sanitaires qui nous ont empêchés d'organiser ces cérémonies jusqu'à maintenant, la guerre en Ukraine, on vient d'en parler, l'inflation et la facture énergétique, les canicules et dérèglements climatiques dont nous étions avertis. Dans ce monde en bouleversement, nous avons le mandat de changer notre ville et au cœur de cette ville, notre centre-ville et notre littoral sont les témoins et la scène de toutes ces évolutions. L'arrivée de nombreux touristes, la crise du logement, l'encombrement de la voirie, le développement nécessaire des nouvelles façons de se déplacer, l'accès aux plages pour tous et la préservation du littoral, les demandes de calme, mais aussi d'animation, le besoin de culture et de nature, que je n'oppose jamais, la coexistence entre les habitants de toujours et les visiteurs d'un jour. Nous avons la chance, mais aussi le défi dans ce secteur, de rencontrer des habitants de milieux sociaux très différents. On me demande souvent si ce n'est pas trop difficile de concilier des intérêts aussi contradictoires à l'heure où chacun s'enferme dans sa bulle de vérité sur les réseaux sociaux et où la peur de l'autre dresse des barrières entre les individus. Pour répondre à cela, nous travaillons à trouver des équilibres, des points communs. Et en réalité, vous en avez beaucoup quand on vous écoute. Quelle que soit votre origine sociale, culturelle ou votre religion, si vous en avez une, vous voulez donner à vos proches et à vous-même plus de joie et de sérénité, des chances de réussite dans une ville plus facile à vivre.
Vos attentes sont grandes et je mesure à quel point l'action publique, c'est l'épreuve de la patience. Il faut trouver de l'argent, concerter, commander des études, déposer des permis de construire, lancer les chantiers, trouver les bonnes entreprises, contrôler les travaux, etc. C'est souvent un parcours du combattant. La mairie de secteur se mobilise tous les jours pour alerter sur ce qu'il faut changer, mais aussi pour soutenir des projets, les relancer, les faire avancer. Nous nous appuyons sur les habitants, les associations, les acteurs économiques. Sans cette vigilance, beaucoup de projets finiraient au cimetière des bonnes intentions. La mairie de secteur, c'est une centaine d'agents permanents et des dizaines non permanents, répartis entre différents services dans une trentaine d'équipements sociaux, culturels et sportifs. Nous avons réalisé un rattrapage d'entretien de ces équipements qui se poursuivra cette année. Nous avons mis en place une brigade des parcs et jardins qui permet de les ouvrir et les nettoyer tous les jours. Nous accueillons dans nos équipements plus d'une centaine d'associations de manière permanente et 1200 usagers réguliers. Des milliers d'enfants sont inscrits dans nos accueils de loisirs, vous l'avez vu tout à l'heure, ils bénéficient de sorties, de spectacles, et un programme d'activités seniors s'enrichit chaque année. Le théâtre Sylvain a accueilli 25 000 spectateurs en 2002. Des milliers de personnes ont fréquenté nos autres événements culturels. Au bout la mer, avant le soir, opéra déconfiné, kiosque & co. Nous faisons vivre ainsi des artistes locaux qui proposent des spectacles de qualité. Nous allons aussi développer les activités et événements sportifs. Nous avons rénové le tennis du Faro que nous avons affilié à la Fédération française de tennis et nous attendons de nouveaux équipements. La mairie de secteur vous accompagne dans votre vie quotidienne. Des centaines d'actes civils par an, avec une salle des mariages embellie, le traitement des demandes de logement, d'événements, vos signalements de nuisances, vos besoins en voirie. Pour tout cela, nous avons créé un service gestion urbaine de proximité. J'invite à consulter notre nouveau site internet mairie1-7.marseille.fr, je fais la pub, pour vous informer de notre actualité et de notre action publique. Nous suivons ainsi des dizaines de projets. Certains en sont au début, d'autres à la fin, d'autres en chantier. Voici ce que je peux en dire. La lutte contre l'habitat indigne et le logement cher est une de nos priorités. L'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne a révélé l'ampleur des chantiers à mener pour réhabiliter un centre-ville ancien et populaire. L'État, la ville et la métropole ont installé une société publique d'intérêt national qui a recruté ses équipes l'année dernière. Je salue les équipes de Franck Caro, si je sais qu'il est dans la salle. Nous avons été chercher tous ensemble de l'argent à l'Agence nationale de rénovation urbaine. En 2023, les appels d'offres sont lancés pour réhabiliter des dizaines d'immeubles du centre-ville avec des bailleurs sociaux. En parallèle, et cela concernerait toute la ville, j'espère que notre candidature pour l'encadrement des loyers trouvera sa pleine application. Il y a encore quelques étapes à franchir, mais nous avons obtenu les accords de principe à l'issue des états généraux du logement organisés par la ville fin novembre 2022 sous l'égide de Monsieur le maire de Marseille. Marseille est connue pour ses grandes inégalités entre les quartiers et c'est le cas au sein même de notre secteur. Le premier arrondissement manque d'équipements publics et d'espaces verts. En 2023, nous verrons aboutir certains chantiers, comme la nouvelle école des abeilles, dont vous avez vu le lancement de chantier tout à l'heure, un centre sportif à Belzins, un nouveau square Labadier plus végétalisé, la piétonnisation de Noailles. Nous verrons avancer la reprise de Coco Velten, la suite des concertations sur la place de la Providence, la réhabilitation de l'îlot Gambetta pour y installer de l'activité économique. Oui, en effet, le centre-ville doit redevenir, parce qu'il ne l'est pas assez, un lieu de travail pour de nombreux salariés qui auront besoin de s'y loger. Marseille continue de souffrir du chômage et de la pauvreté. Nous voulons valoriser des modèles économiques plus vertueux, fondés sur la créativité marseillaise. Des secteurs comme la santé et l'éducation, le bâtiment durable, l'économie portuaire, la logistique urbaine, les transports, l'économie circulaire, le recyclage et la propreté, je crois qu'il y a de quoi faire, le numérique, le cinéma, la culture, l'alimentation. Je pense à l'exemple de l'après-M, reconversion d'un ancien McDo dans les quartiers nord, qui s'est fait avec l'appui d'un restaurateur d'ici, à Andoum, que je salue. En 2023,
à l'échelle de notre secteur, nous avancerons sur la régie de quartier. Nous venons de trouver sa future directrice après plusieurs mois de recherche parce que nous avons été exigeants. La régie de quartier permettra de créer et mutualiser des emplois d'insertion, d'utilité sociale et de proximité à Noailles et Belzunce. Le centre-ville de Marseille est un lieu d'habitation, de travail, mais aussi de passage. Un énorme chantier va démarrer avec la ligne Nouvelle PACA et la Nouvelle Gare Saint-Charles. Nous reviendrons régulièrement vers vous pour vous tenir informés des différentes étapes de ce grand projet. Dans le 7e arrondissement, nous continuerons à préserver le cadre de vie, à embellir le littoral. En 2023, l'aménagement de la plage des Catalans suivra son cours. Le théâtre Sylvain fêtera son centenaire et des travaux d'aménagement commenceront après la saison culturelle. Le fort d'Entrecasteaux s'ouvrira progressivement avec le projet Citadelle. Le marché de Saint-Victor, porté par la mairie de secteur, reviendra avec une formule revisitée. Nous nous félicitons du nouveau collège Gaston Defer, plus grand, plus moderne, qui sera réalisé par le département. Le permis de construire est signé. Et nous suivrons donc le chantier sur le site de la caserne d'Aurel dans les 2-3 années qui viennent. Dans le 7e, nous savons que les déplacements sont particulièrement difficiles et qu'il y a moins de moyens de transport que dans le cœur du centre-ville. Nous vous appelons donc à vous mobiliser dans la concertation de la métropole pour le réseau de bus qui vient de démarrer. Dans ce secteur, nous avons aussi la chance de veiller sur les îles du Frioul, que nous avons engagé dans un label de développement durable avec la ville et avec l'ONG Smilo, que vous pouvez découvrir dans le village thématique à côté de l'auditorium. Nous sommes heureux de l'avancée de certains gros projets comme la réhabilitation de la digue par la métropole ou la Villa Marine par le Conservatoire du Littoral. Mais il y a aussi tout simplement des habitants qui ont besoin d'attention et nécessitent des soins. Après de nombreuses réunions avec l'Agence régionale de santé et la ville, je me félicite de l'accord trouvé avec le service de soins infirmiers à domicile de la ville de Marseille, qui se déplacera, on peut l'annoncer aujourd'hui, au Frioul pour réaliser les soins nécessaires. J'en remercie Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille pour les affaires sociales, élue dans notre secteur et qui nous a permis de réussir ce service qui était très attendu. Je remercie bien évidemment d'ailleurs aussi tous les adjoints au maire de Marseille élus dans les 1er et 7e arrondissements. Alors bon, privilège à eux que je les remercie et qui travaillent à nos côtés. Patrick Amicot pour le logement, Mathilde Chaboche pour l'urbanisme, Sébastien Barle pour l'écologie, Laurent Lardite pour l'économie, comme ça on a les deux, l'écologie et l'économie, Jean-Pierre Cochet pour la sécurité civile et la prévention des risques. Les relations humaines qui nous tiennent à cœur, c'est aussi une ville accueillante, à hauteur d'enfants, non violente. En 2023, nous allons renforcer la prévention de la délinquance, la présence de policiers et de médiateurs dans les espaces publics et sur le littoral. Nous travaillons étroitement pour cela avec Zoubida Meghenni, déléguée à la médiation sociale qui est élue dans notre secteur, et Yannick Ohanessian, adjoint au maire de Marseille pour la tranquillité publique et la sécurité. Un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance spécifique au 1er et 7e arrondissement vient d'être installé, donc on en attend beaucoup. C'est un cadre de concertation intéressant qui permet aussi de mener des campagnes et des observations de terrain. Mais surtout, je sais que nous voulons tous une voirie et des espaces publics moins encombrés, moins pollués, moins sales, plus apaisés. Notre conseillère municipale déléguée à la lutte contre les nuisibles, Aïcha Guedjali, a beaucoup à faire sur les questions de salubrité, mais bien au-delà. Il nous faut franchir un seuil en niveau de service. Vous le savez, la voirie et la propreté n'étaient pas de la compétence de la ville et encore moins de la mairie de secteur. Mais nous avons trouvé la formule d'un contrat entre nous et la métropole, entre M. Payan et Mme Vassal, entre le maire de Marseille et la présidente de la métropole, pour avancer sur ces sujets, sur ces compétences partagées finalement. Ce contrat est adossé à une enveloppe financière de 200 millions d'euros pour toute la ville d'ici 2026. C'est une nouvelle méthode de travail qu'il nous faudra mettre à l'épreuve. Je ne vais pas vous mentir, nous partons de loin et il faudra plusieurs années pour parvenir à un niveau de qualité qui est celui de toute grande ville européenne aujourd'hui.
Chacun devra y contribuer. Ni les élus tout seuls, ni les habitants tout seuls, ni les agents et techniciens tout seuls. J'ai envie de vous dire, à tort partagé, solution partagée, sinon nous ne sortirons pas du fatalisme et de l'exaspération. C'est le principe de la citoyenneté qui repose sur les droits et devoirs réciproques et nous sommes prêts à prendre notre part. Vous le comprenez, nous sommes engagés dans un mouvement, une action collective qui nous implique tous. Monsieur le maire ne me démentira pas, lui qui se retrouve au milieu de ce bouillonnement permanent. Dans cette aventure, je voudrais évidemment remercier et saluer les agents de nos services, en mairie de secteur, en mairie centrale aussi, et toute mon équipe d'adjointes de secteur, si prolifique en projet et en envie de faire. Permettez-moi donc de les accueillir sur scène, pour finir ce discours, en décrivant leur délégation thématique et leur quartier. Est-ce que tout le monde est prêt dans la salle? Du quartier de Noailles au 7e arrondissement, en passant par le Frioul, ils animent la démocratie participative, la vie associative, défendent le droit au logement pour un meilleur habitat. J'appelle Christian Pellicani et Isabelle Bordet. De Saint-Charles à la Plaine, ils s'engagent pour la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, les droits des femmes, LGBT, le sport pour tous. J'appelle Leila Beccar et Giampiero Mancinelli. De Saint-Victor au Vieux-Port Canebière, du Jardin Benedetti au Square Labadier, en passant par le Théâtre Sylvain, ils défendent la nature et la culture en ville, restaurent les espaces verts, proposent de la musique ou du théâtre dans les espaces publics, et tout simplement la culture au jardin, Philippe Kahn et Agnès Fréchel. Du quartier du Chapitre à celui du Roucas Blanc. Ils ont aussi la tâche immense de recueillir vos besoins, vos signalements sur la voirie et les transports, la propreté, la tranquillité publique dans tout le secteur. J'appelle Étienne Tabag et Monique Rolbert. De Saint-Lambert à Belzins, ils défendent la solidarité, les relations entre les générations, la lutte contre la pauvreté, les animations pour les enfants, les seniors, petits et grands. Gilles Aspinas et Virginie Roche. Sur le littoral d'Andoum à Faro Catalan, ils s'occupent des écoles de tout le secteur, des animations jeunesse, défendent l'accès à la mer et l'éducation à l'environnement. Julien Sauré et Marilyn Librest. Voilà, alors ils sont 12 pour 12 quartiers dans notre secteur. Et comme moi, ils y vivent. Ça compte. Nous y partageons tous avec vous le même quotidien. Je les remercie pour leur motivation et leur engagement. L'équipe de la mairie des 1er et 7e arrondissements est à vos côtés, à votre écoute. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est vous. C'est vous pour que vous puissiez vous rencontrer et profiter d'un moment de convivialité que nous sommes fiers de vous offrir. Belle et heureuse année 2023. Merci à vous. Et j'ai le grand honneur d'appeler maintenant au pupitre Monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan.
Venez, venez vous mettre autour de moi, bien sûr. Mais restez sage, hein. Je vois rien. Venez, monsieur. Bien. Madame la ministre, Madame la maire des 1er et 7e arrondissements, chère Sophie Camard, Mesdames et messieurs les adjoints de secteur, Mesdames et messieurs les adjointes et les adjoints, Messieurs les maires de secteur, Mesdames les consuls, chères Marseillaises, chers Marseillais, Monsieur le conseiller municipal jeune, cher Rachid, Mesdames, Messieurs les habitants des 1er et 7e arrondissements, de Belzunce au Catalan, Mesdames, Messieurs, évidemment, avant toute chose, permettez-nous finalement de vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, à celles et ceux qui vous sont chers et que vous aimez, une belle, une grande, une fabuleuse année 2023, une année de joie, de partage, de bonheur et de santé. Mesdames, Messieurs, mais vous pouvez même vous applaudir. Toutes les nouvelles années nous permettent de tirer le bilan de celles qui viennent en général de s'écouler, de regarder ensemble, et Sophie, tu viens de le faire et vous venez de le faire avec trois formidables associations que je veux remercier et qui nous font honneur et qui font honneur à la ville de Marseille. Vous venez de regarder évidemment le bilan de l'année écoulée, mais aussi réfléchir et participer à la perspective et aux perspectives qui vont venir. C'est aussi le temps de regarder le travail accompli, de réfléchir. 2022 a été pour Marseille l'année des grands changements. Avec l'ensemble de l'équipe municipale que je veux saluer et qui est ici en grande partie, avec les maires de secteur, et nous en avons trois ce soir, nous avons lancé de grands chantiers pour nos écoles. Et vous savez à quel point cette question des écoles était importante. Elle était centrale et vous savez à quel point pour nous il était important de nous investir, de nous battre sur cette question. Sur la question bien évidemment aussi du logement. Et Sophie, tu as fait référence aux états généraux du logement qui ont été pour nous un marqueur essentiel et qui ne sont que les premiers d'une bien évidemment longue liste, grande étape, parce que la question du logement, la question de comment on vit dans une ville, comment on la fabrique ensemble, avec dignité, est quelque chose d'important. Et Isabelle, je sais que ce combat-là, on l'a ici, peut-être plus qu'ailleurs, pour des raisons terribles, pour des raisons évidentes, au fond des tripes. Et ça n'est pas simplement que notre travail, mais c'était notre devoir de nous mettre sérieusement, fortement, avec enthousiasme et conviction sur la question du logement. Et puis il y a aussi, et vous le savez, et c'était pour nous essentiel, la question de l'environnement. Dans une des villes, Sophie l'a rappelé aussi, les plus polluées du pays et du continent. Cette question de la manière dont on vit dans une ville n'est pas accessoire, ce n'est pas un gadget, c'est la manière dont on vit et dont on vivra. La manière de préserver une ville, c'est ce qui fera que les générations qui étaient là et qui viennent de s'exprimer pourront en faire quelque chose. C'est ce qui fait que les générations investies par la manière de vivre et par la manière de faire la ville pourront en effet, elles aussi, raconter leurs histoires. Nous avons construit, et c'était important pour nous, échangé, fabriqué des moments de joie aussi et des moments de convivialité. Nous avons vécu, pour ceux qui s'en souviennent, un été marseillais incroyable. Et Audrey est ici, fort en partage, avec des animations partout dans la ville, avec des événements qui ont réuni des milliers et des milliers de Marseillaises et de Marseillais. Et ici, particulièrement Sophie, avec ce que tu as fait avec toute ton équipe d'arrondissement, avec une programmation culturelle, Agnès, absolument incroyable, une programmation culturelle où chaque été, à chaque moment, j'apprends des choses, je découvre des femmes et des hommes incroyables, des jeunes et des moins jeunes, qui aiment leur ville, qui s'enthousiasment pour ce qu'ils font, pour la manière dont ils nous font vivre des choses. Et je veux vous dire, pour toutes ces raisons-là, bien évidemment, merci, vous avez fait vivre une politique culturelle exigeante, exigeante et populaire. Et ça, ça n'est pas rien. Encore une fois, merci. Nous avons obtenu enfin, et je voudrais insister sur cette question-là, parce qu'on ne fait pas de ville, on ne construit pas une ville sans moyens. Bien sûr qu'il faut de l'ambition, bien sûr qu'il faut penser les choses, bien sûr qu'il faut de l'enthousiasme avec une équipe municipale, et vous en avez l'exemple ici, motivé, mais il faut aussi beaucoup plus d'argent. Et nous avons obtenu, avec tous les élus de ma majorité, beaucoup plus d'argent de la part de l'État, de la métropole et du département.
de l'argent pour financer nos écoles, de l'argent pour financer la rénovation de nos rues, de nos quartiers. Et si Franck Caro est dans la salle, il comprendra de quoi on parle. Pour pouvoir transformer une ville, il faut pouvoir y mettre les moyens. Bien évidemment, de l'argent pour remettre à niveau nos logements, de l'argent pour assurer un service public de qualité, pour construire partout, partout, une ville placée sous le signe de la fraternité, de la solidarité, sous le signe du partage. Pour financer aussi, et c'est extrêmement important, et je vous le disais en préambule, notre transition écologique. Nous avons fait le choix d'aller frapper à toutes les portes. Et nous sommes allés jusqu'à Bruxelles, jusqu'à la Commission européenne, où nous avons défendu pied à pied notre projet de ville décarbonée. Ce n'était pas évident, on nous a tous dit « ce sera difficile, les Marseillaises et les Marseillais, finalement, vous êtes bons à jouer au boule et à boire du pastis, et c'est à peu près tout ». Bon, bien sûr, on sait le faire, mais enfin quand même, on a fait un projet qui a étonné la Commission européenne, qui a été capable de concevoir ce que pouvait être une ville qui se repense, une ville qui réfléchit à la manière dont elle se fabrique et dont elle se refabrique, une ville qui réfléchit à sa décarbonation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ville qui sera vivable et respirable pour les générations qui viennent, mais très vite d'ailleurs, à partir du moment où on va engager cette grande transition. Eh bien, nous avons obtenu ce que d'aucuns nous prédisaient comme improbable, impossible, infaisable. Nous l'avons fait avec les conseillères municipales, avec les conseillers municipaux, délégués Fabien Perret, je ne sais pas si Fabien est ici, mais encore une fois, il m'a traîné jusqu'à Bruxelles et je l'ai traîné dans mes bagages. On a presque appris des langues étrangères pour pouvoir faire ce genre de choses, mais en français et en anglais, on s'est à peu près débrouillé. Nous avons aussi construit tous ces labels, et notamment le label de ville décarbonée d'ici 2030. Nous avons réussi aussi, parce que pour nous, c'était extrêmement important, et vous allez comprendre de quoi on parle, et quand on est dans un arrondissement littoral, mais ce n'est pas que dans les arrondissements du littoral d'ailleurs, on a aussi évoqué et mis sur la place publique la question de la pollution des bateaux de croisière. Il ne s'agissait pas pour nous d'interdire les bateaux de croisière. La question ne peut pas se poser en ces termes-là. Il faudra bien évidemment qu'il y ait des gens qui viennent à Marseille. Il faudra bien évidemment qu'il y ait des compagnies qui proposent, qui fassent venir des gens à Marseille. Mais nous avons insisté et nous avons particulièrement bien travaillé avec la Commission européenne sur cette question-là, parce qu'il fallait financer toute cette transition-là. Dès le mois de juillet, nous avons demandé à l'État et aux organisations internationales, et notamment les organisations internationales qui s'occupent de ces questions-là, d'être à nos côtés pour limiter, comme l'ont fait finalement d'autres villes avant nous, les effets polluants des bateaux de croisière. Les villes américaines l'ont fait, les villes du Pacifique l'ont fait, les villes de mer du Nord l'ont fait, les villes d'Asie du Sud-Est l'ont fait. Elles ont fait cette transition, elles ont fabriqué ça, et elles ont proposé aux compagnies de faire différemment. Y avait-il une raison pour qu'en mer Méditerranée, dans un des biotopes les plus merveilleux, dans une des mers les plus riches du monde, fallait-il une seule raison pour qu'ici on puisse dire « nous, on n'y arrive pas ». Eh bien, on est en train de réussir, on a avancé sur ces questions-là. Et moi, je suis très fier de ce qu'on a fait avec les maires de Méditerranée. Et les élus s'y sont associés pour que justement, d'Alger, en passant par Barcelone, par Beyrouth, par Marseille, par une vingtaine de grandes villes, nous ayons pesé de tout notre poids pour qu'on puisse réduire les émissions polluantes, pour qu'enfin on puisse vivre et respirer. Nous avons aussi, et vous avez insisté là-dessus, Madame la maire, construit une relation saine et sereine, une relation de confiance avec la métropole, pour que Marseille retrouve toute sa place. Parce que Marseille n'est pas simplement la deuxième ville de France, la première ville de France, puisque Paris, c'est un département aussi. Mais c'est aussi la capitale de cette métropole. Oui, c'est la première ville de France. Donc, oui. Nous avons insisté pour que Marseille retrouve toute sa place, toute sa place. Nous n'avons rien lâché pour que les Marseillaises et les Marseillais obtiennent évidemment une augmentation historique du budget d'investissement sur nos routes et sur nos transports. Tu en as fait bien évidemment état, Sophie. Nous avons organisé là aussi, et je vous le disais tout à l'heure, un événement unique avec les États généraux. Parce que face à la crise du logement, parce qu'il devient de plus en plus difficile de se loger, parce que les conditions de logement sont extrêmement compliquées, nous devions nous relever les manches. Et comme je vous le disais, je suis très fier que nous ayons initié ici, comme ils auront lieu d'ailleurs l'année prochaine, ici aussi, mais
Saint-Denis va enclencher et nous irons, Isabelle, avec quelques-uns, avec d'autres, Patrick Amicot, les élus qui sont ici, à Saint-Denis, pour regarder ce qui se passe, parce qu'ils se sont inspirés de ce qu'on a fait, et on pourra s'inspirer de ce qu'ils font. Parce que, évidemment, la question du mal-logement est une question qui est marseillaise, mais qui dépasse bien évidemment Marseille, des gens mal intentionnés, des pouvoirs publics qui n'ont pas pris la mesure de cette difficulté. Ça existe, bien évidemment, en dehors de Marseille. Je sais, et je l'évoquais justement, que cette histoire-là, que cette affaire-là, elle a ici beaucoup de sens. Et encore une fois, je veux remercier toute l'équipe d'arrondissement, toute votre équipe, Madame la maire, mobilisée sur cette question-là, avec beaucoup de force, beaucoup de pugnacité. Et tout à l'heure, les petits nous racontaient finalement ce que c'était que ce quartier de Noailles. Et vous l'avez dit avec des mots merveilleux, précis, des mots qui nous font honneur, qui me font honneur et qui font honneur à votre ville. Et vous avez dit combien vous vouliez vivre dans cette ville, dans ce quartier, qui raconte votre histoire, qui raconte mon histoire, qui raconte notre histoire. Moi, je ne suis pas un petit de Noailles, je suis plus un petit des Catalans. Mais votre histoire, c'est la mienne et c'est la nôtre. Et on est très fiers de ce que vous faites. Et pour nous, c'est important, justement. C'est important que ce quartier, on le relève, on le rénove, mais qu'il reste le vôtre. Que ce soit un quartier populaire, merveilleux, un quartier de partage dont on est fiers. Et c'est ça, ce travail. Et l'équipe que vous avez ici, son travail, c'est ça. Et encore une fois, moi, je veux vous remercier, parce que c'est extrêmement important pour ce travail absolument incroyable. Vous dire merci aussi, vous pouvez vous faire... J'avais beaucoup de choses, Madame la maire, à dire encore. J'avais à parler du travail formidable que vous avez fait, l'association des Ukrainiens de Marseille, des Odessites d'ailleurs, hein, jumelés depuis des décennies avec nous, l'a dit, c'est extrêmement important de rester cette ville solidaire et fraternelle, une ville qui ouvre ses mains. Et Patrick, tu disais qu'avec la capitale européenne de la mer c'est notre histoire, c'est notre présent et ça doit être notre avenir. La mer, ça nous permet d'ouvrir les mains. Et c'est ainsi qu'on a été fait, au-delà du mythe fondateur. Je voudrais, pour conclure, bien évidemment vous remercier toutes et tous, vous redire une fois de plus à quel point pour nous votre présence, à quel point pour nous ce travail, qui est plus qu'un travail, cette implication, ce militantisme important de la part des élus, mais aussi des services que je veux remercier, parce qu'on ne remercie pas assez celles et ceux qui travaillent pour le service public. Parce que bien souvent, on considère que ces gens-là, finalement, ne sont pas là où on les attend. Bien au contraire, c'est un sacerdoce, avec de petits salaires pour beaucoup d'entre eux et beaucoup d'implications. Parce que quand on travaille pour le bien des autres, on travaille pour les gens qui n'ont pas de patrimoine. La ville, une ville, un service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et moi, je suis très fier de ces 17 000 personnes qui travaillent avec nous au quotidien. Vous dire donc simplement quelques mots... Encore une fois, de remerciements, de félicitations. Vous dire que cette ville, on l'a fait pour vous. Parce que notre ville, elle a une histoire incroyable, millénaire. Ce n'est pas simplement la première ville de France, c'est aussi la plus vieille ville de France. Mais c'est aussi une ville qui va donner un avenir à la France et qui va donner un avenir au pays. C'est une ville où on a obtenu des choses absolument incroyables. Où les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller rencontrer le président de la République? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte, le président de la République? On a obtenu de lui 1 milliard d'euros sur les écoles. Ce n'était pas de la compétence de l'État. Il n'appartenait pas à l'État de venir nous aider, Sophie, sur cette question. On a obtenu de l'État la SPLAIN sur la question du logement. On a obtenu et on a réussi à faire en sorte de travailler à recoudre la ville en poussant pour que les transports collectifs aillent vers le nord. Et c'est d'ici que je parle. Parce qu'on ne fait pas une ville si on ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté. On ne fait pas une ville si on ne se tend pas la main. On ne fabrique pas une ville si on n'est pas capable de faire de la justice sur la question des transports. Parce que la justice passe par là. Et on a obtenu ça. De la même manière qu'on a obtenu des choses absolument incroyables sur la question de la métropole. Alors Marseille est de retour. Et c'est ce que je veux vous dire en mots de conclusion. Soyez fiers de votre ville. Soyez fiers de ce qu'elle est. Faisons ensemble que cette ville... aille loin, je suis persuadé que les uns et les autres, les unes et les autres, nous pourrons ensemble, si on se tient la main, le faire. Restez fiers de notre ville, restez fiers les uns des autres. Vive la France et vive Marseille.
Merci à vous tous. C'est la fin des discours, mais pas des échanges entre nous. Donc, je vous invite au cocktail pour un verre de l'amitié et pour bien conclure cette soirée. Merci à vous tous.